Parler des retraites, organiser une grande concertation sur ce thème est nécessaire et urgent, compte tenu du vieillissement de la population. Depuis plus de 35 ans, cette question est au cœur de notre pacte social et républicain. Peut-on en dire autant de l'école Non. Même lors du grand débat, organisé par le président de la République, il a été finalement assez peu question d'éducation. Sans entrer dans une stupide concurrence de priorités générationnelles, l'avenir du système éducatif a lui aussi besoin d'une grande concertation. Le caractère inédit de la contestation qui a perturbé le déroulement des épreuves du bac fin juin est un symptôme inquiétant de la crise qui gangrène l'école. L'incompréhension qui perdure entre les enseignants et leurs ministres n'est que la face émergée d'un malaise plus profond. L'école cristallise en effet des tensions, inégalités sociales, déséquilibres territoriaux, replis communautaires qui méritent d'être débattus. Et la réponse ne se limite pas à l'indispensable revalorisation salariale du corps professoral. Non. D'autres sujets souffrent aussi d'avoir été trop longtemps cantonnés à des discussions entre experts. Équilibre des filières générales, Technologique, professionnels, des disciplines, mathématiques, français, sport, art appliqué, poids des examens, rythme scolaire, culture numérique, dialogue avec les parents. Cette vaste concertation sur l'avenir de l'école ne devrait pas avoir pour objectif de dégager un impossible consensus, mais d'inscrire à l'institution scolaire, les professeurs, les enfants, au cœur des débats de notre pacte républicain. Entre la stratégie à la hussarde du ministre, et le repli sur soi d'une profession enseignante depuis trop longtemps sur la défensive, il existe une autre voie, le débat.